Bonjour, je suis Anthony des Petits Débrouillards. Bonjour, je suis Gabrielle et je suis là pour apprendre. Gabrielle, est-ce que tu aurais de l'argent, s'il te plaît? Encore? Bah oui, tu sais, j'ai besoin de monnaie pour faire des expériences. Tiens, je te donne 5 centimes. Merci, voici une pièce de 5 centimes. Bah écoute, je vais la jeter là-dedans. Je la plonge juste à côté de la bougie et je te lance au défi de récupérer cette pièce sans te mouiller les mains. Sans mouiller les mains? Ok, alors écoute, je vais prendre cette bouteille. Ouais. Que je vais retourner et je vais emprisonner la bougie dedans. Vas-y. Ah tiens, alors là, qu'on observe... Ça fait des bulles. Voilà, alors pourquoi ça fait des bulles à ton avis? Parce que l'air, une fois qu'il est chauffé, il prend plus de place. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on a vu. La bougie chauffe l'air, du coup, des bulles sortent à la base, puisque l'air s'est dilaté, comme on dit. Ensuite, la bougie brûle son oxygène, et quand elle n'a plus d'oxygène, elle s'éteint. L'air refroidit, et du coup, l'air se contracte dans le bocal, reprenant sa taille de départ, et la pression atmosphérique pousse sur l'eau qui la fait rentrer à l'intérieur. Alors du coup, il y a moyen de s'amuser. Tiens, regarde, relâche un peu notre dispositif d'expérience. Ça marche, du coup, même sans bougie. Il suffit simplement de chauffer l'air du bocal. Oui. Vas-y, tiens, fais l'expérience. Oh bah oui, c'est mon expérience. Matériel. Et pose-le dans l'eau maintenant. Et on voit que le niveau de l'eau monte. Oui. Voilà. C'est le même dispositif. Mais du coup, je peux aspirer pas mal de choses. Ah bah oui, tu peux aussi aspirer un œuf si tu veux. Ah bah écoute, chercher je vais un œuf dans notre matériel. Hop. Je fais chauffer la bouteille. Laisse bien chauffer. Et maintenant, tu peux le poser sur l'œuf. Tchouk. Est-ce que ça marche? Mais écoute, oui. Mon œuf est aspiré. Vas-y, soulève. Ah, pas mal. Pas complètement. Voilà. Bon, c'est parce que ça n'a pas assez chauffé, c'est pas bien grave. Alors, eh bien, la conclusion de cette expérience, c'est que quand l'air est chauffé, il se dilate, et lorsqu'il refroidit, il se contracte, et après, on peut jouer à faire rentrer et sortir des choses dans les bocaux, dans les bouteilles, etc. Alors, si vous voulez faire des expériences, ne vous privez pas, faites-en à la maison, et vous pouvez vous inspirer des expériences qui sont présentes sur wikidébrouillard.org.